Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très 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 bonne année. Je n'ai pas posté de vidéo, c'est tout à fait normal parce que j'avais envie de me poser avant de pouvoir reprendre un peu tout le travail. J'ai eu les examens qui sont arrivés, la fatigue. J'ai été malade là ces derniers jours pendant 2-3. Je sais pas si ma voix s'entend, mais j'étais malade. Donc il y a pas mal de petites choses qui font que je n'ai pas vu envie de reprendre tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, on passe sur un grand hall. Ça fait un peu, il y aura. Vous avez dû voir de toute façon. J'ai plus. Non, je crois que j'avais pas fait de vidéo ici. J'en avais fait une sur TikTok avec des petits achats de Primark pour le sport. Là, pour Stradivarius, on a juste un manteau promo et un petit bonnet de chez H&M en promo à 8,99 vu qu'il va faire bien froid bientôt. Donc c'est pour ça. J'ai acheté des petits bijoux chez Lovisa. J'adore leurs bijoux. Ils tiennent très très bien la route. Vous payez un tout petit peu plus, mais la qualité y est. Donc franchement, il faut foncer chez Lovisa. En plus, ils ont un site internet. Moi, je kiffe. Et après, quelques affaires chez Primark. J'ai vraiment pas pris beaucoup. Parce que là, j'étais avec mon chéri. J'avais des trucs à ramener. J'ai eu la flemme de chercher à droite à gauche. J'étais malade comme un chien. Vu que c'était hier. J'étais pas bien du tout, j'étais malade, j'ai commencé d'un coup jeudi. Après vendredi moyen, samedi pas bien, et aujourd'hui je pète la forme. Donc on va faire les vidéos. Allez, on passe tout de suite sur ce petit hall. Je vous reprends. J'ai eu un tout petit souci avec le décor. Le tableau il s'est cassé la figure parce que j'ai nettoyé derrière, parce qu'il y a de la moisissure partout dans cet appart, donc j'ai dû nettoyer. Donc j'ai pris un petit collier. Donc c'est un petit collier lune, en fait c'est pour. Je vais changer celui-ci vu que je peux le mettre à l'infini. Là, on a un taureau et un petit trèfle. Donc, je voulais mettre un truc en plus. Donc, il y a ce petit collier. Et dans ce petit sachet, il y a plein de boucles d'oreilles. Et j'ai eu l'impression que je me suis fait avoir à la caisse. Je vous dis. Ah non, non, je me suis pas fait avoir parce que. Oui, c'est bon, j'ai compté. Parce que j'avais acheté ça en plus. Donc, je sais pas du tout si vous allez voir. Je vous mets comme ça à ce que. Donc voilà, les premières boucles d'oreilles, des violettes, juste magnifiques à 12 euros. On a deux boucles d'oreilles comme ça, avec un petit des petits diamants blancs et bleus. Donc deux comme ça. Le tout là, les 5 que je suis en train de vous montrer, je vous marquerai, je pense, le prix en tout. Ça m'a coûté 10 euros. Là, ces deux-là et les trois autres que je vais vous montrer, c'était une promo, ça coûtait 10 euros. Celui-ci, juste magnifique. Voilà, comment ça tombait. Là, c'est deux toutes simples noires, comme vous voyez. Et la dernière, c'est deux petits diamants, juste magnifique. J'ai pas été déçue, j'en ai eu pour 40 euros. Là, c'est 18 euros. Attendez, je peux refaire comme ça pour le collier, je pense. Si je veux bien redescendre à un moment. Donc, je crois qu'on pourra pas faire mieux. Donc, voilà le collier. Il est juste magnifique aussi. Oui, je mets un fond, sinon vous voyez rien du tout. Donc, on va passer Stradivarius, Primark. Que de toutes petites choses, j'ai racheté un petit legging marron moumoute à l'intérieur. En fait, j'en avais pris un blanc, mais il m'allait pas du tout. J'ai pris en taille 42, je crois. Là, j'ai pris taille 38 parce qu'il est bien élastique. Donc là, je suis sûre qu'il va m'aller. J'ai pris une bouillotte comme ceci. Elle est trop belle quand on a nos règles comme ça. Ça entoure, ça nous entoure. Oula, pour dormir comme ça. On va l'essayer. Je vais la tester, j'espère que ça sera bien. Des trucs pour le sport de jogging. J'espère qu'ils seront. Parce que ceux que j'avais achetés la dernière fois, ils n'étaient pas assez hauts. C'était pas top pour le sport. Et en fait, à chaque fois que je faisais du sport, ça tombait. Donc c'est pas top. Surtout que je fais du rameur. Donc c'est un peu compliqué quand on a un pantalon qui tombe. Pour ceux qui font du rameur, vous connaissez, je pense. Donc celui-ci, un gris. Il m'a coûté 9 euros. J'ai pris en taille courante. J'ai pris un bleu aussi.
un bleu ciel. En ce moment, j'adore cette couleur-là. Bleu ciel, il est magnifique. Et après, j'ai repris un petit legging en M à 3,50€. Le legging. J'ai repris des petits masques. Là, j'ai testé un traitement. Celui-ci, ils sont tous vegan et franchement, je vous les conseille. J'en avais testé un déjà de masques de chez Primark. Ils sont vraiment top pour 1€. Je vous conseille. Et là, je me suis trompée en fait. J'avais pas fait attention. C'est pour les filles qui ont les cheveux bouclés. Donc, je vois. Bon, ils bouclent. Est-ce que ça compte s'ils bouclent quand il pleut? Je plaisante. Ah, et voilà ce petit pantalon, et après je me suis racheté un comme ça, c'est trop trop fun. Alors j'ai pas compris, il faut qu'on m'explique. Vous voyez là, déjà le bouton il est un peu... Ah c'est bon, j'ai réparé le bouton. Et lui là-bas. Alors celui-ci, vous voyez, il est 1,50€, sauf que dans le magasin, vous saviez le même, mais à 2€, j'ai pas compris. Même celui que j'ai pris là, c'était noté qu'il était à 2€, alors que j'ai payé 1,50€. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté les prix, mais qu'ils laissent aussi les anciens. Avec l'ancien prix, donc j'ai rien compris, j'ai pris celui à 1,50€ à 50 centimes près. Donc voilà, et vu que j'avais ramené des choses, j'en ai eu pour 40€ à peu près pour ce Primark. Et en dernier, ça va être rapide aussi. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris un petit bonnet de chez... C'était le dernier en plus et j'adore cette couleur. Vous savez, le vert un peu émeraude, ça fait... Pas vert émeraude, mais ça fait un vert d'eau là. Donc comme ceci, bon ça va pas du tout, j'ai pas bien. Donc nous avons celui-ci, le bleu. Donc, la grosse doudoune, je l'ai payée, celle-là est en promotion, j'ai pris un M. Heureusement parce que sinon ça aurait été trop. Au lieu de 50€, je vous montre, hein, c'est pas mal la promotion. Au lieu de 50€, je l'ai payé que 30€. Et je n'ai pas de veste courte. Là je sais pas si ça va bien. Là. Après je mets souvent soit des trucs à l'été, donc ça va pile bien passer. En plus vu qu'il va faire froid la semaine prochaine, je sais pas si chez vous aussi ils ont prévu du froid ou non. Donc voilà, attendez, je vais vous écarter un petit peu pour vous montrer. Bon c'est pas la classe à Dallas, mais bon, on est pas mal. Donc il est comme ça, il est tout petit, il y a les poches sur le côté. Nous avons gagné ça. On peut le resserrer aussi à la taille. Attendez, je pense qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais me mettre comme ça. Ici, en fait on avait des petits... On peut resserrer en fait à la taille pour que ça fasse un peu plus... Pour pas que l'air à la fin. Un peu plus bouffant on va dire pour le bas. Il y en a un, j'ai failli l'acheter aussi, c'était un cuir. Cuir lilas, couleur lilas, il était juste magnifique. Donc voilà, bon on a l'air... Au moins, on a besoin d'écharpe, ça couvre bien le cou. Il y a une capuche, c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter parce que j'ai pas de truc comme ça pour l'hiver. Et j'ai pris avec ça. Bon, on reste la finalité comme ça. On a tellement la classe. J'ai trié un tout petit pull comme ceci en M. Ça, c'est de leur nouvelle collection. Pour aller avec ma jupe. Ma jupe ou un. Là, je l'ai payé 18€ en M. Pour aller avec un jean noir tout simplement. Donc on va se déshabiller. Il faut que je ramasse ça. Oui c'est vrai. Attendez. C'est que j'ai fait tout tomber par terre tout à l'heure. Hop, on vous remet bien. On se coiffe vite fait. Je crois que j'ai mis un peu trop maintenant, je me sens un peu trop petite. Et j'ai acheté aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai acheté aussi des affaires pour mon chat. Déjà, je ne sais même plus où elle a mis son truc. En fait, c'est une sorte d'herbe à chat que vous donnez. J'ai acheté ça à Animalis, je ne le trouverai pas. J'ai même acheté une tasse. Attendez, je vous décale ça parce que je vais aller vous chercher tout ça et je vous montre tout de suite. J'ai un petit paquet comme ça à 22€. Et en fait, je lui ai mis ses croquettes parce qu'en fait, elle mange plus. Celle-là, j'ai testé avec ses anciennes croquettes. Et elle mange plus celle-là, et vu que j'ai plus trop confiance dans celle du supermarché par rapport à que je trouve qu'elle a perdu énormément de poids. Et je lui ai même acheté de la pâtée spéciale parce qu'en fait, quand je lui ai donné d'autres pâtées, elle ne mangeait plus que. Elle mangeait plus rien. Elle mangeait juste le nécessaire, on va dire,
juste la pâtée. Elle ne buvait plus, elle ne mangeait plus, donc je me suis un peu inquiétée. Là, on va voir, je vais tester sur, de toute façon, avec ce paquet-là, si ça fonctionne bien. C'est pour le tube digestif, c'est pour éviter, je crois, comment ça s'appelle? Je sais qu'elle fait beaucoup de cystite, tout ça, là, le ventre qui gonfle énormément. C'est pour aussi pour son petit ventre, pour tout ce qui est urinaire aussi, donc on verra. Pour avoir l'ampoulage un peu plus doux, à mon chat. Voilà. Donc voilà, on verra bien si ça fonctionne. Et si jamais ça fonctionne, je pense que j'achèterai un gros paquet à Animalist, il y en a un à Poitiers. Donc j'irai lui en acheter un gros si je vois qu'il y a beaucoup plus d'évolution. Parce que franchement, j'ai été vraiment inquiète. J'ai payé très cher le vétérinaire pendant que j'étais inquiète. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme si c'était un humain. C'était comme si c'était mon propre enfant de toute façon. Donc après, ce que j'ai pris une petite tasse comme ça à 9,99€. Bon, l'article, je l'ai utilisé déjà 9,99€ chez Maison du Monde. Donc voici le couvercle. Moi, j'adore la tasse. Elle est vraiment jolie. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre votre thé. Vu que j'adore faire du thé moi-même, là, parce que j'étais malade, j'ai fait une sorte de thé, j'avais acheté un thé, c'est chez Sostring Grain, et je l'ai mis dedans avec du citron, du miel, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc on verra si ça, si ça va mieux, et même je fais des fois, quand j'ai mal à la gorge, des thés citron, miel, vraiment c'est moi qui les fais, je coupe, je mets le miel et tout, pas le miel, je le fais par moi. Donc comme je disais, voilà, comme ça me permet, je mets des fois des épices aussi, du gingembre, tout ça, ça me permettra d'acheter du gingembre en morceaux et de pouvoir mettre avec, si vous voulez, je peux vous faire un jour ma mixture quand je suis malade avec le thym, tout ça. J'essaierai de voir et d'y penser, surtout c'est ça le problème avec moi, c'est qu'il faut que j'y pense. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable fin de journée en ce dimanche, je sais même plus combien on est, 15 janvier. En vous souhaitant une bonne après-midi et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!